Bon après-midi depuis le stade Omar Hammadi de Boulorine pour le compte de la 15e journée du championnat. C'est le 10e qui reçoit le 18e, une équipe qui a besoin de reprendre confiance après deux contre-performances face à une équipe qui doit absolument se sortir de la zone de relégable et essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, c'est-à-dire un maintien en première division. Cette équipe de Magra qui est l'hôte de l'USMA d'Alger, c'est l'affiche aujourd'hui. USMA Magra, arbitré par cet homme, vous le voyez, un de nos meilleurs sifflets, Abed Chalef, assisté de Boulfelfel Ben Amira et Madame Latifa Atman, quatrième arbitre, Lemia Atman. On va commencer par Magra, la composition, Bouhalfaya, Bourhla, Aïb, Bougesh, Fgas, Ali Hamoud, Deman, Qorichi, Ben Qouider, Zaidi et Bouchouarab. Voilà pour la compo. On parlera tout à l'heure des remplaçants. Du côté de l'USMA également, c'est une équipe sans surprise qui doit absolument se ressaisir après les défaites à Ain Lila et à Biskra 2-1-0 sans marquer des buts pendant 180 minutes. Cette équipe de l'USMA qui va rentrer avec Gendouz Alexis dans les bois, Hamara, Belaïd qui remplace Bouchina suspendu en défense centrale, Chita Belkacmi, Ben Chaa, Loussif, Ben Khalifa Loussif, premier match, celui qui était à Angers, qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, le formé au Paradou, Ben Khalifa, Mahyous, Kouidri et Khmaïsia. Mais celui que je dois annoncer le plus important dans ce match, c'est mon compère pour commenter ce match, consultant de Canal, Ahmed Laribi. Bonjour. Bonjour Riyad, toujours un plaisir de vous accompagner pour ce match entre l'USM Alger et Magra, qui s'annonce pour moi très palpitant, parce qu'une, elle essaye de laver l'affront de deux défaites consécutives, et puis en face, il y a une équipe de Magra qui va essayer de jouer en bloc. Alors on va parler des deux compos, comment on va entamer le match. Juste pour dire que le dernier match qu'on avait fait ensemble sur Canal, c'était USMA MCO et l'arbitre de la rencontre avait fait les frais et s'est coltiné le frigo juste après avec une énorme boulette en première période et l'expulsion du défenseur Masmoudi. Aujourd'hui, Abed Chalef doit être absolument vigilant. Il va y avoir de l'intensité et de la pression sur les épaules des joueurs de l'USMA. Alors que Magra, on l'a vu avec l'entraîneur, son entraîneur tout à l'heure, n'a absolument rien à perdre aujourd'hui. On va essayer de rester en bloc et de contenir les velléités, les intentions de cette équipe de l'USMA. Comment Magra a décidé de jouer l'USMA aujourd'hui à Boulogne? Oui, très belle question Riyad, parce qu'aujourd'hui on voit que cette équipe de Magra va essayer de jouer d'abord avec ses moyens du bord par rapport aux qualités individuelles des joueurs. Et puis pour aujourd'hui, je pense que M. Latrache Abdelkrim... Et c'est parti, allez-y. Latrache Abdelkrim, entraîneur de Magra, va opter pour un 4-3 dispositif qui est prévu. Mais en perte de balle, il va essayer de former une densité. Il va y avoir demain sur les côtés Qorichi, aux côtés de Bourhla, Fugas et Ben Qouidar. Et regardez cette action avec Belkacmi qui tombe. Il a été bousculé tout de suite. Un sprint de Abed Chalef pour dire je suis là, je ne rate aucune action, je vois tout. Et il donne une faute à l'USMA avec un coup franc que va frapper soit Khmaïsia ou alors Belkacmi. Ça va être rentrant très fort devant le but. Et Bouhalfaya, l'ancien de Borj Boanerij dans les bois, très vigilant. Attention à ce premier coup franc et cette première alerte. Alors qu'on n'a pas atteint la première minute, et ouverture du score, je vous l'avais dit. Oh, c'est à peine si j'ai vu rentrer Ahmed, c'est à peine si j'ai vu rentrer. Exceptionnel, il a obtenu le coup franc, il l'a enveloppé. Une minute de jeu, probablement un des buts les plus rapides depuis le début de cette saison, un peu moins d'une minute. Sous les yeux de Momo Benhamou et l'USMA qui mène 1-0 dès la première minute de jeu. Oui, que c'est bien de démarrer cette rencontre après presque même pas une minute de jeu. Et on va la revoir. Ouais. Ouais, c'est but contre 50 de la part de, je pense, Aïb, on va le voir. C'est un CSC. Un CSC, oui. Ça,
Ça, c'est la pression hein, sur les défenseurs tout de suite. Un manque oui, de c'est la pression. Et puis, je veux parler de Luis Mariad. Après deux défaites consécutives, maintenant, c'est une équipe qui est libérée parce que ça fait quelques temps que Lusma ne marque pas, ne marque plus. Il y a Belkacemi qui n'a marqué qu'un seul but. Et puis, il a donné trois passes consécutives. C'est maigre. Et puis aujourd'hui, il arrive à débloquer une situation que Lusma et Froger attendaient. Ben, une confidence que je vais vous faire, et à nos amis téléspectateurs, j'ai discuté tout à l'heure à l'échauffement avec l'entraîneur des gardiens, Mohamed Benhamou, qui m'a dit on doit absolument retrouver la confiance, et pour ça, il faut marquer très tôt dans le match. Là, on ne peut pas faire plus tôt que ça. Hein. Oui, je pense que Belkacemi a bien écouté Benhamou, là, sur ce coup franc. Un coup franc, si vous voulez, très bien tiré, bien enveloppé. On n'a pas vu le défenseur qui a marqué contre Sancan. On l'a pas vu, on le reverra tout à l'heure avec le réalisateur Yazid Telkot. Attention à cette action peut-être pour l'égalisation. Et c'est bien chippé dans les pieds. C'était signé Belaïd qui avait enlevé ce ballon. Est-ce qu'il va sortir? Et on sauve le corner. Et cette équipe de Magra qui essaye de revenir très vite aussi dans le match. Oui, et Magra qui avance, si vous voulez, rapidement. Là, on voit que tout le bloc de Magra s'installe dans le camp de Lusma. C'est bien. Allez, on va essayer de la mettre là-bas dans la boîte. C'était trop fuyant. C'était pour Qureishi. Le ballon, il était trop puissant et pas assez précis. Il va sortir en 6 mètres. Qureishi qui vient d'un club en Tunisie. Je ne sais pas qui c'est. C'est un attaquant. Il a été recruté en début de saison. Et un long ballon là-bas. On va chercher un des partenaires démarqués. C'était Marius qui a décalé là-bas. Et Kotius Mariad. Attention à ce ballon avec cette faute que dit Abetchalov, alors que Benchea dit qu'il n'avait pas fait faute. Puis pour ce match d'aujourd'hui. Oui, là il lui a écrasé la chaussure. Et ouais. On n'a pas parlé du dispositif de Lusma. C'est un 4-3-3 avec trois milieux terrain, Ben Khalifa, Chita Koudri, et devant il y a Benchea sur les côtés, et Belkacemi, et en pointe Marius. Qui est en quête de but, lui qui n'a pas marqué, ça fait très longtemps. Et puis il y a aussi l'Ossif, le pur produit qui vient d'Angers, vous l'avez très bien souligné. C'est un latéral très offensif. Qui vient d'Angers, mais formé au Paradou. Hein. Tout à fait, oui, c'était un des meilleurs mercato du Paradou à l'époque. Tout à fait. Attention à ce ballon, c'était pour Khmaïsia, il a été fauché et il obtient la faute. Pour l'instant, il est incisif. Et voilà, il a été balancé. Ouais, balancé, c'est une faute. Et puis Messia, qui avait l'habitude de jouer dans l'axe, aujourd'hui, il a été reconverti comme latéral gauche par Froger. Faute de joueur dans ce couloir. Et voilà, celui qui a provoqué le but contre Sancan. Il veut récidiver. Belkacemi. L'équipe de Magra est un peu plus concentrée que lors de cette première minute où il a été cueilli à froid. Belkacemi qui enveloppe, ballon fouetté. Il a une façon assez particulière de frapper son ballon. Je ne sais pas si on va le voir au replay. Il fouette. Il fouette et il retient son coup de pied. Il le retient comme s'il voulait le brosser. Il veut beaucoup lui donner beaucoup d'effet. Oui, et le caresser en même temps. J'ai envie de parler, Riyad, de cette équipe de Magra. Je dirais la pauvre, parce que d'entrée, ce scénario de 1-0 après une minute de jeu n'était pas envisageable, mais le football est fait ainsi. Et voilà, encore une fois bien récupéré par les joueurs de Lusma. Alors, attention devant, il y a Bougash qui est un renard de surface. Alors qu'est-ce qu'on reproche à Chita? Est-ce qu'il a touché de la main? En tout cas, le ballon est toujours pour Magala. Bien contrer ce ballon, attention au contre, c'est Marius. Là, il faut donner. Alors il cherche un partenaire démarqué, il ne sait pas quoi faire avec le ballon, il frappe, la frappe complètement écrasée, pas assez puissante. Oui, il a frappé, mais il aurait dû donner sur Belkacemi qui est parti dans son dos. On avait l'impression que le ballon lui a trop collé au pied. Ouais. Il cherchait une fenêtre pour tirer. Ballon pour les joueurs de Magra, dans le rang central. C'est le numéro 8, Ben Quidel. On vient derrière pour Ali Hamioud. Ballon pour Bougash, ancien joueur du Mouloudia. Bougash pour qui centre? Pour qui? Pour personne, si ce n'est pour Alexis Gendouz. Tranquillement.
Et côté Usma, le buteur maison, c'est un milieu défensif qui est Koudri. Ce n'est pas Ben Chaha, ce n'est pas Mahiouz, ce n'est pas Belkacmi, mais c'est comme ça. Et Bouguèche pressing sur Chita, on revient derrière. En talent pur, Bouguèche est un attaquant impressionnant. Il ne faut surtout pas le laisser libre parce qu'à tout moment, il peut déclencher une frappe. Il a un centre de gravité très bas, il perd difficilement son équilibre. Il a cette faculté à faire semblant de tomber et de jamais retrouver le sol. Et puis aussi, il est mobile. Le ballon récupéré par les Usmistes, on revient derrière. Il y a une faute contre les Usmistes et au profit de Kourichi justement. Et le coup franc pour Bourahla qui revient derrière pour sa défense centrale. Pressing de Koudri, pressing payant, on revient derrière avec Khmeissia, Chita Belaïd, il lève la tête, celui qui a remplacé Bouchina. Belaïd qui vient du Nadi Sendé. Grande école de défenseurs centraux, il y en a un qui a marqué un but en Coupe du Monde, il s'appelait Halish. Absolument. Il n'y a pas que lui qui vient du Nadi Sendé. Et les Gendouz, et j'en passe, je salue la glorieuse équipe. Attention, c'est bien fait, il a récupéré le ballon, mais refaute, il a fait faute Belchaha pour l'instant. Gros pressing des joueurs de l'USMA sur le porteur du ballon. Voilà, dans le camp de Magra. Avec Ben Khalifa et le ballon pour le gardien. Bouhalfaya qui dégage, très long pour Bouguèche. Bouguèche qui arrive à toucher ce ballon du cuir pour le... rendre à Kourichi, mais le ballon perdu par les joueurs de Magala. Et Bouguèche comme un beau diable qui court sur pressing sur Belaïd. Belaïd pour Benchar, trop court, récupération des joueurs. Oh, là le ballon était dans l'intervalle, c'était bien vu, c'était bien joué de la part de Magala. Attention à ce ballon cette fois-ci, il est pour qui? Pour Belkacmi, ballon perdu récupéré par les Usmistes. Alors pour qui? Il demande le ballon, c'était Ben Khalifa qui a parlé à M. Abedchalef en lui disant c'est pour moi. Et l'arbitre qui acquiesce, le ballon pour les Usmistes dans le camp de cette équipe de Magala alors qu'on va atteindre la 10e minute de jeu. Ballon pour Hamra, Hamra qui donne à Chita, Chita qui couvre bien son ballon devant Bouguèche. C'est bien, contrôle du ballon, Belkacmi, Chita qui semble être le patron. Oui, Chita qui retrouve toutes ses sensations, il retrouve tous ses repères. C'est un élément très généreux dans l'effort. Malheureusement, il manque de rythme, il manque de compétition, mais il est en train de s'appliquer. Ballon pour Koudri. Un des rescapés de l'ancienne équipe de l'USMA. Avec Hamra. Belkacmi, il se retourne tranquillement et il revient et Chita, sur Chita. En position de libéro. Ballon pour Hamra qui contrôle en première intention. C'est bien la petite roulette. Sini Belkacmi qui change de l'autre côté pour Koudri. Koudri pour Benchaha. Benchaha qui passe. Un, deux joueurs. Benchaha, il fait une petite louche. Oh, c'était bien joué l'intention pour Mahiouz. Ouais, ce petit ballon piqué, mais trop fier. Oui, mais Mahiouz était déjà en position d'hors-jeu. C'est bien ce qu'a fait Benchaha. Mais au dernier moment, il n'a pas pris l'information. Il pouvait jouer latéralement sur Belkacmi. Attention à cette équipe de Magala qui doit rester concentrée et pas s'écrouler trop tôt dans cette partie. Koudri encore une fois qui s'impose comme patron. Laisse. Belkacmi, il a à côté de lui Khmeissia. Et voilà, il l'a trouvé Khmeissia. Belkacmi qui demande le ballon dans sa course et ballon perdu, récupéré par Bouguèche. Bouguèche en profondeur là-bas. C'était bien joué, mais Gendouz était là en stopper, premier défenseur. Il n'y avait personne. Le ballon était pour Benkouider, trop long et récupéré par les Usmistes. Benchaha qui essaye là-bas de trouver un des premiers ballons de Lossif qui pour l'instant manque beaucoup de compétition. Oui, il manque de compétition, mais c'est un élément qui connaît son couloir parce qu'il vous apporte de la largeur, de la profondeur, mais il va retrouver son rythme. Belkacmi, c'est bien fait, il a fait le râteau là-bas pour Mahiouz. Le ballon était bien, il était dans l'espace.
mais il était trop loin encore une fois, Mahyous. Oui, très loin, mais je peux vous dire que dans cette action, Riyad, Belkacemi s'est un petit peu précipité parce que Mahyous n'a pas fait l'appel de balle. Et la touche, elle est pour les joueurs de Magala. Et jusqu'à présent, après presque 11 minutes, on rentre dans le premier quart d'heure. Mais à part le but marqué par Belkacemi sur pas l'arrêté, Magra se porte bien, se défend bien. Ballon pour cette équipe de Magala. On va chercher encore une fois Bougache, qui est sur tous les coups, tous les bons coups en tout cas. Pour l'instant, ils n'ont pas été décisifs. Mais pour l'instant, il court beaucoup, l'ancien joueur du RC Kouba. Long dégagement, ballon perdu, récupéré par Koudri. L'appel de balle là-bas de Benchaha. Benchaha qui a du champ, Benchaha qui rentre dans la surface de réparation. Oh, il a fait la feinte de centre, mais c'était pas le bon choix, à mon avis. C'était pas le bon choix, et là, ça nécessitait une passe en retrait. Là, Benchaha n'excelle pas dans ce style, Riyad, parce que c'est Benchaha est bon dans un 4-4-2. Voilà. Première action, c'est bon. Et là, il lève la tête. Il aurait donné une passe en retrait sur Mahyous qui s'est montré présent. Qui demandait le ballon. Présent, voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته crochet pour éviter le Oui, c'est le jeu de Chita.
Il a cette capacité, avec et sans ballon. Tout en finesse, confiance. Il a la qualité pour. Avec Koudri. Koudri, no safe, on revient derrière pour Blaïd. Comme on l'a dit, on essaye d'aspirer cette équipe de Magra. Magra qui là, en perte de balle, devient en 4-5-1. Le vieux briscard de Bouguèche qui est obligé d'éviter de faire des courses comme ça plusieurs minutes pour reprendre son souffle. Oui, mais Riyad, le pressing, c'est une tactique d'équipe, c'est pas uniquement un individuel. Joueur. Tout à fait. C'est l'ensemble qui participe. Attention avec Munchaa qui va essayer de partir. Et superbe tacle de Ayub. Tacle contré, hein, donc touche pour la défense de Magra. Et ce Munchaa, il a le feu dans les jambes. Et puis ce qui lui manque, c'est beaucoup plus l'efficacité devant les buts. On sent qu'il a envie, il court partout, mais il fait beaucoup de fautes et pour l'instant il n'est pas précis comme tout à l'heure sur sa passe sur Merius. Attention à ce ballon de Magra là-bas côté gauche. C'est Zaidi, Bouguèche à côté de lui. On revient derrière. Feguès pour Bourahla. Bourahla qui donne à Qolichi. Qolichi qui fait tenter la frappe et le crochet. Il avait une petite main, il l'a vu jouer, il laisse l'avantage. Ballon pour Benkouider. Mais c'est bien ce que fait Magra. Elle arrive à garder le ballon en essayant de le tourner à droite à gauche pour trouver une faille, une brèche. Attention, c'est bien, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Je ne sais pas, on va la revoir, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas hors-jeu. Vous savez, quand on commence à gagner des duels dans le milieu de terrain, on reprend confiance. Tout à fait, c'est ce que fait Magra. Bien vu, monsieur l'arbitre. Bien vu, monsieur Boulfelfel. Comme quoi, il n'est pas arbitre qui veut. Et puis nous n'avons pas le bon angle ici dans la cabine, Ahmed. Et là, il y a le numéro 24, Alilette, qui fait son apparition à la place de Khmessia. Alilette qui a toujours joué dans l'axe, Riyad. Le numéro 21 qui remplace Khmessia, le numéro... Je ne l'avais pas vu, le cette numéro chute. 24. Cette chute a été fatale hein, pour... Oui, il était sur la cheville, donc il a eu il se tordait de douleur. Et puis Alilette, est-ce qu'il peut apporter cette... profondeur dans le jeu, lui qui était un véritable axial. Attention à ce ballon, il va tenter la frappe. Elle est contrée, mais elle est contrée par Belkacemi. Manque de bol pour Benchara, je vous l'ai dit. Il est dans tous les coups, mais il n'est pas précis pour l'instant. Benchara, ouais. Regardez cette frappe, il va fusiller Ben Khalifa. Hop. Oui, mais là, il avait une autre faculté, garder le ballon et essayer de rentrer. Bien défendu, attention à ce ballon, c'est bien le crochet, il va obtenir le coup franc. Bon coup franc, hein, il est un peu plus de 20 mètres. Oui, c'est un coup franc très intéressant dans cette distance. Regardez Qolichi comment il crochette, il évite le défenseur et Hamara. Mais là, Riyad Hamara n'avait pas à tacler comme ça. Là, il se couche, il avait la possibilité de défendre debout, de s'arrêter. Mais bien joué de la part de Qolichi. Hein. Oui. Alors on va voir les frappeurs du côté de... Il y a Bouguèche devant le ballon qui le regarde amoureusement. Comme pour dire c'est moi qui vais le tirer. Il y a aussi le numéro 13, Zaidi. Et lui aussi qui se prépare. Et donc Bouguèche s'éloigne plus du ballon. Il y a le numéro 15, Fegas, milieu terrain. Et il va aller se mettre peut-être dans le mur, hein, Bouguèche. Et je peux vous dire que c'est un coup franc très intéressant dans cette distance, parce qu'il y a un champ de vision, c'est dans l'axe. Alors, Gündüz qui place son mur. Il se met juste dans l'axe, juste à côté de son mur. Est-ce que c'est Zaidi, le numéro 13 excentré à droite. Ou Bourahla, les 2 minutes terrain. La frappe, il est dévié par le mur. Ce ballon, il partait bien. Hein, il partait bien dans la cage. Oui, il partait très bien. Il a été cadré. Bouguèche à la lutte. Et c'est sorti avec cette touche que va jouer Ali Haïmoud. Longue touche, sortie par la défense. Ballon toujours pour les bleus de Magra. Bleu et blanc. Et Ziti qui ne fait pas dans le détail. Ballon perdu, mauvais contrôle, attention à ce ballon prêt pour le second but et retour
salvateur. Et Bouhalfaya, je me demande qu'est-ce qu'il faisait en dehors de sa surface. C'est Bouchouerb qui a sorti ce ballon. Oui, mais c'était bien joué de la part de Mahiouz aussi. Mahiouz était bien parti, regardez. Et puis Bouchouerb, voilà, qui est là, heureusement, parce que franchement, il était sorti de façon hasardeuse, le gardien. Hein. Et là, je vois, Riyad, que Lusma Frogier a aligné trois attaquants, à savoir Benchaha, Mahiouz et Bakasmi. Mais ce n'est pas en mettant trois attaquants qu'on va marquer énormément de buts. Voilà. Discussion entre M. Abi Sharaf et Zaidi. C'est bien ce que fait Sharaf. Un petit sourire. Il fait de la psychologie. Absolument, c'est important dans le football. Et la touche qui va être jouée, mal jouée la touche. Et Ali Haïboud qui va essayer de sortir ce ballon du camp de Magra. Bougage, c'est bien qu'il garde le bénéfice du cuir. Il aura l'avantage de la faute. Bougage. Et ça revient derrière pour Ayeb. Le ballon lui revient. Il change complètement de côté pour Zaidi qui contrôle de la cuisse tranquillement. Revient sur son gardien. Pas beaucoup de solutions pour faire évoluer le cuir et le pressing très haut des Usmistes. On s'en sort bien. Allez Haïmoud. Ballon toujours pour les joueurs de Magala. On va trouver là-bas pour Léchi. Va essayer de passer, bousculer sans faire de faute. L'arbitre ne dit rien. Cette fois-ci, Benchaha n'a pas fait faute. Ballon pour Khalifa. Khalifa, pardon. Benchaha, est-ce qu'il y a faute ou il faute? En parlant de pressing, est-ce que vous savez quel est le meilleur moyen de battre un pressing? De jouer haut, de jouer. C'est par le dribble. Quand on peut, quand on a du talent. Quand on n'a pas du talent, on joue les ballons à l'anglaise, kick and rush. Bien vu. Et ça revient derrière avec Belaïd. Chita pour Belkacemi, il pousse trop son ballon. Il a l'avantage du contre. Belkacemi encore une fois. Il a Lilat sur le côté. Lilat qui lève la tête, il crochette. Un crochet de trop. Il y avait le deuxième rideau de Benkouider. Oui, il sort ce ballon en touche. Lilat, d'abord, c'est pas un gaucher, c'est un droitier. Là, il est reconverti comme latéral gauche. Et il a fait un crochet avec le pied gauche. Ouais. Mais il ne pouvait pas centrer avec. On parlait de dribble tout à l'heure. C'est vrai que la qualité intrinsèque et individuelle des joueurs permet à un entraîneur de faire mieux appliquer sa stratégie de jeu. On en avait parlé, vous juste avant le match. Parce que, mesdames, messieurs, on vous dit tout. Moi et Ahmed, on discute football dans la voiture de la télévision algérienne, sur la touche, dans les vestiaires, dans les cafés. Et on essaye, moi j'essaye humblement de comprendre un petit peu comment le travail d'entraîneur. Parce que généralement, quand une équipe perd le premier fusible, c'est l'entraîneur. Et pourtant, c'est les joueurs qui jouent. Et voilà. Et là, vous me tendez la perche, mon cher Riyad. On est à la 15e journée et il y a 16 entraîneurs qui ont déjà été limogés. C'est pas une valse, c'est un tango. Attention à ce ballon pour Magala avec le numéro 15 Fegas. Et ballon dégagé par la défense. Koudri sera trop court. Et Aïb qui va récupérer d'un grand coup de botte. Elle n'est pas sortie, toujours pour Fegas. C'est bien cette équipe de Magala qui arrive à garder la possession du ballon. On va chercher là-bas. C'est bien ce qu'il a fait. Il essaie de repiquer au centre pour frapper. C'était le numéro 8 Bourguider et le ballon récupéré par Lilat. Il a en face de lui Bougache. Lilat qui dégage un long ballon pour Mahiouz qui essaie de remettre là-bas pour Ben Khalifa. Récupération de Bourhla. Bourhla qui revient derrière pour Aïb. Aïb qui garde Bourhla pour Aïb. C'est bien ce que Aïb qui va lever la tête là-bas très haut. L'équipe de l'USMA essaye de fermer les espaces et les possibilités de couloir, mais le ballon reste toujours pour l'équipe de Magala. Oui, et l'USMA qui reste dans son propre camp. Magra, depuis 5 ou 6 minutes, elle essaie de passer par les côtés. Khorichi qui va tenter de se retourner
Attention, le ballon dans le paquet, il arrive à la mettre et c'était sur les gants de Gündüz. Mais c'était bien joué, c'était bien joué. C'est bien joué. Je pense que si cette équipe de Magra arrive à passer par les côtés, je peux vous dire qu'elle peut provoquer beaucoup de. Faire beaucoup de mal à Nocif et à Lillette qui vient de rentrer. Koudri qui revient derrière pour Belaïd. Chita qui va se replacer là-bas au milieu de terrain. Et cette équipe de Magra, elle a été cueillie à froid, mais elle est maintenant bien en place et a beaucoup moins de solutions pour les Usmistes. Hein. Oui, parce que Usma, mis à part le premier but, elle se cherche encore. Elle n'arrive pas à trouver son véritable jeu, son animation. Koudri qui revient pour Chita, il se retourne. Chita est à côté de lui, Hamra. Tout de suite, il y a cette tenaille en face du meneur de jeu. On revient derrière pour Hamra. Hamra pour Belkacemi. Qui manque son contrôle et ça se paye cash et ça va repartir avec Qureshi qui se retourne. Il est pris en tenaille lui aussi, mais il y a une petite faute, hein, c'est ce que demande Qureshi. C'était la faute de Ben Khalifa, on revient derrière. Bourahla pour Zaidi. Zaidi obligé de revenir. Et Magariad qui ne panique pas, qui joue bien au sol avec des attaques placées. On a l'impression que cette équipe de Magra a pris un peu la mesure de son adversaire et est entrée dans le match. On joue la demi-heure de jeu et c'est plus la même chose. Malgré que cette équipe de Magra est menée au score, mais elle ne donne pas l'impression qu'elle est, abattue. Est dominée. Voilà, dominée, abattue. Koudri. Talonnade complètement manquée, récupération de Ali. Attention, peut-être l'égalisation. Attention à cette frappe Bouguèche, trop excentrée et le coup franc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, quand on n'est pas attaquant de métier, Ali Haïmoud qui se retrouve seul face à Gündüz et il était obligé d'aller chercher Bouguèche. Oui, on voit l'action. Il n'était pas en hors-jeu. Là, il, prend le ballon, là, il ralentit trop et c'est trop tard. Il a le gardien qui est arrivé vers lui. Tout à fait, ouais, parce que Gündüz l'a gêné parce qu'il n'avait pas assez de chance. Regardez l'expérience de Bouguèche. Il sait qu'il ne peut pas frapper au but. Alors il va chercher la faute, il contrôle. Et la faute peut provoquer un but et un coup franc. Regardez, là, il a tout de suite. Voilà. Là tout de suite il a changé d'intention. On le voit dans le regard de Ali Haïmoud, il ne voulait plus frapper au but. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Regardez, là, il trouve le gardien en face et hop, du regard, il cherche Bouguèche. Ouais. Et Bouguèche il contrôle tranquillement. Et hop, il a senti il a senti qu'on lui touchait là. Ça c'est l'expérience. Regardez, il sent qu'on lui touche la cheville. Et hop, tout à fait, oui. Il se laisse tomber parce qu'il y a un coup franc. Il a fait un contrôle, le ballon était atterri un petit peu loin de son coup de pied, mais il ramène un coup franc. Le regard d'Alexis Gündüz qui place son mur. Voilà, le regard bleu ou vert, je ne sais pas. Mais je peux vous dire, Riyad, que dans cette distance, ça peut faire mouche. Alors Zaidi, il y a Fugas. Gas, numéro 15. Alors, la première fois, c'était en plein dans le mur. Et là, ça va être en plein dans le filet. C'est Zaidi. Allez, enveloppé ou en force. Alors, on demande à Béchara de venir les aider dans le mur. Et Abed Chalef qui avertit, je veux que personne ne sorte du mur. Il y a du suspense. Alors, il faut la cadrer très fort et éviter le mur. Sur côté. Moi, je la vois côté opposé. Il faut bien l'envelopper très fort. Zaidi la frappe. Et encore une fois, elle tape le mur. C'était la jambe de Belkacemi qui sort ce ballon. C'était un coup franc direct. Attention à ce ballon. Personne n'est hors-jeu. Le ballon ne s'est pas levé. Ça va repartir. Avec Mahyous. Mahyous pour Béchara. Béchara qui passe. Un, deux joueurs. Pour Koudri, il y a Lossif qui demande le ballon et il est sorti en touche. C'est remonté très vite. Alors il y a un petit carton, qu'est-ce qui s'est passé? Abed Chalef était revenu sur la faute. Voilà, ça c'est Mahyous et voilà la faute. C'est super bien arbitré, c'est de la classe internationale. Il laisse l'avantage du jeu. Mais ça, c'est une des fautes les plus impardonnables, le tacle par derrière. Elle revient à la faute, c'est bien. C'est bien arbitré de la part de monsieur Abed Chalef. Le carton, c'est pour qui? Numéro 22 de l'Aïb, je crois. C'est Aïb.
Et après presque 38 minutes de jeu, on voit que cette équipe de Magra joue bien. Elle manque d'efficacité. Par contre, l'US Amalgé, mais à part le but, on sent que cette équipe est toujours à la recherche du jeu, à la recherche d'une animation, chose qui lui a fait tant de défauts depuis quelques semaines. Un long ballon, on cherche là-bas Bougesh, récupération de Belkouider, et là-bas c'est encore une fois Bougesh qui se bat alors que c'était Ali Haïmoud, encore une fois qui était allé à la pointe de l'attaque. On cherche, on trouve Chita qui va essayer de se donner de l'air dans l'espace. Et c'est bien de sortir avec des relances propres pour Lossef. Lossef qui va essayer de partir dans le grand enjambé. Il aime ça, les slaloms comme tout à l'heure. Et là, il manque un peu de jus. L'ancien pensionnaire du Paradou à Athletic Club, ou Paradou à Academy Club, c'est presque la même chose. Et qui est passé par Angers, vous l'avez souligné tout à l'heure. Passé par Angers, là où il y avait notamment un autre joueur de l'USMA. C'est Belaïli. Et le ballon pour Chita. Chita pour Lossef, Lossef Bichara. Bichara, il y a Podri qui appelle et qui reçoit le ballon. Podri. Et regardez la position de Bichara, alors que sa position doit être devant, aux côtés de Marius. Bichara, c'est un manque de lucidité. Sans conviction. Sans conviction aucune. Manque d'intelligence dans le jeu également. Attention à ce ballon, dégagé par la défense, et Chita qui... Le numéro 7 de Man, il avait la possibilité de faire un contrôle orienté dans le sens du but et ne pas revenir en arrière, mais il avait déjà pris cette information. Et la touche pour Alilet, touche tout de suite perdue, récupérée par les joueurs de Magala. On joue la facilité avec Mehyous, Bougesh lui est plus précis, c'est bien ce que fait... Magala en ce moment, Qureshi qui décale de l'autre côté pour Fargas. C'est bien dans la course. Là-bas, il va tenter le sang, peut-être obtenir le corner. Il obtiendra la touche. C'était bien joué de Bouchouerb là-bas. Et aussi de Ben Khalifa qui a taclé le ballon. Belle phase de jeu, hein, récupération. Décalage de Bougesh et le danger qui repart de la droite vers la gauche. Avec Zaidi. On a comme l'impression que cette équipe de Magra joue à Magra aussi. On pourra en parler hein, de ce fait de jouer sans public, à l'extérieur ou à la maison. Est-ce que ça change? Est-ce que les joueurs sont plus à l'aise quand il n'y a pas les supporters? Est-ce que les supporters sont parfois, même s'ils adorent leur club, hein, je le rappelle, hein, parfois ils mettent une pression supplémentaire. Attention, c'est bien de Fargas ce décalage pour aller Haïmoud trop court. Cette fois celui qui n'avait pas osé frapper au but tout à l'heure. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Et Magra qui est toujours concentré dans son jeu. Elle essaye de passer par les côtés, de provoquer le danger. Aliette pour Belkacemi, encore une fois, ballon trop fuyant. Et ça revient pour Ali Haïmoud, pour qui? Pour le numéro 8. Belkouider, ballon perdu, récupéré par Chita. Et vous avez vu la manière avec laquelle Chita a récupéré le ballon. C'était bien de sa part. La grande classe, Chita, qui récupère voilà, le ballon. Bouchara qui ne trouve pas de solution. Belkacemi qui revient derrière. Ballon tout de suite contré de Hamra, qui est obligé de revenir. S'appuie sur son gardien, Gendouz. Et qui va pas demander son reste et va dégager là-bas très loin pour Belkacemi. Koudri qui contrôle de la poitrine pour Mehyous qui va tenter de passer. Il a levé le contre favorable mais il a été emporté par son élan. Et Aïb a été très intelligent dans son intervention, le numéro 22, Axial, qui a récupéré le ballon intelligemment. Sans faire de faute et surtout en restant debout. Et un long ballon pour personne, avec Belaïd pour récupérer tranquillement de la poitrine.
avec Chita. Chita Bakhlifa Chita. Donc Asmé qui rentre au milieu, il laisse le couloir à Alilet. C'est bien ce 1-2, Kodri qui va garder le ballon, il va chercher peut-être la faute. Il y a Lossif qui fait l'appel de balle, mais trop profond et Lossif trop court sur cette action. C'était trop bien joué dans l'intention. Mais Kodri a fait une belle chevauchée avec ballon. Il attendait que Lossif passe dans la profondeur pour qu'il lui donne le ballon aussi. Un long ballon là-bas, on va chercher encore Bougache à la lutte. Et c'est lui entre Lilat et Hamra, c'est lui qui arrive à avoir le cuir. Belhid qui dégage, Fergas qui récupère. Et il n'a pas trouvé preneur pour son ballon. Et Chita qui va aller bien couvrir son ballon. Belkacemi pour Chita. Chita qui revient bien après sa blessure. Et long dégagement de Hamra, contrôle de Mahyous. Mahyous pour Benchaa. Benchaa qui se retourne. Il y a Lossif qui fait l'appel de balle. Et il l'a pas vu, la base qui va la mettre dedans, la frappe, elle n'est pas cadrée. C'était bien joué, c'est bien joué. Il aurait dû la cadrer parce qu'il avait, il s'est ouvert le chemin du but. Tout à fait, Riyad. Et puis c'est bien ce qu'a fait Benchaa, mais il y avait mieux à faire. Il y avait Lossif qui est parti comme un fusil dans son dos. Non, il a vraiment frappé en bout de course, hein. Il n'avait pas la puissance pour, ouais, mais pour c'est, cadrer. C'est un gaucher, il n'avait pas cette puissance comme il tire avec son coup de pied droit. Mais il a pris cette initiative individuelle et qui s'est terminée par un tir au but. Ouh là là, là c'est la pression. La pression et puis nos gardiens Riyad ne jouent pas bien au pied. C'est un déficit. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle au départ. Il a été surpris par la passe en retrait de... Oui, et mauvais contrôle parce que le ballon était en l'air, il n'était pas au sol. Et pour frapper ce corner, Belkacemi, ça va être fouetté très fort. Encore une fois, et la défense qui se dégage. Récupération de Lossif qui tente la frappe enveloppée, pas mal. Elle était en train de redescendre. C'est la première fois qu'il frappe au but, Lossif. Oui, et Belkacemi, vu sa qualité de tir de coup franc, corner, et puis cette justesse technique, c'est bien. Attention à ce ballon avec ce crochet complètement raté de Demman et ça va repartir de l'autre côté, pas pour longtemps, ça revient dans les pieds des joueurs de Magala, c'était pour Qureshi, ballon récupéré par Chita. Chita qui s'aventure pas trop devant, hein. Tout de suite il revient. C'est son jeu parce qu'il préfère donner des passes au sol et rester toujours en soutien. Il s'en veut Bougache, il était limite en train de récupérer ce ballon avec Bakhlifa. Il revient derrière pour Chita. On est tout de suite rassuré quand on a Chita à 3-4 mètres de soi. Hein. Oui, on est rassuré et on est sécurisé aussi. On est sécurisé, voilà. Avec Poudri, voilà. Poudri qui demande aux joueurs de venir chercher le ballon, parce de se démarquer. Ils sont statiques, ils ne viennent pas chercher le ballon. Et se démarquer. Belkacemi, lui, par contre, il n'est pas du tout statique, à part que là, il a fait la faute. Mais lui, il va chercher le ballon. Belkacemi qui a quitté son couloir gauche, il est rentré carrément au milieu terrain, aux côtés de Benkhalifa, Chita et Kodri, laissant la possibilité à Alilet d'occuper le couloir gauche. Voilà, là, une petite poussette dans le dos. Voilà, Kodri qui va au pressing. On sent un Bouhelfaya pas très serein aujourd'hui. Oui, tout à fait. Peut-être que le premier but encaissé très tôt. Il a joué un peu sur le moral. Et là aussi la faute de pied qui concède le corner. Ouais. Heureusement que c'était pas dans le but. Hein. Dans l'axe du but, tout à fait. Avec Lossif pour jouer cette touche. On sent que Lossif depuis quelques minutes est entré dans le match. Hein. Oui, parce qu'il a retrouvé toutes ses sensations. Avec Zaidi qui va chercher là-bas personne. Il cherchait Bakouidel. Mais il aurait dû jouer au sol et non pas comme ça dans les airs. Et ballon récupéré par les Usmis.
Ndouz qui va balancer là-bas, très loin pour Belkacemi en duel. Il y a Mehnouz derrière, le ballon est sorti en touche. Et là, si je peux m'avancer ou dire quelque chose sur le schéma proposé par Froger aujourd'hui, je dirais tout simplement que c'est un 4-3-3. Je pense qu'à la mi-temps, à la pause, il va essayer de changer de copie parce que Ibn Shaa et Mahyous et Belkacemi ne participent pas à l'animation offensive parce que d'un côté, Ibn Shaa est bon, axial, aux côtés de Mahyous. Ballon touché et il va sortir au profit des visiteurs. Il y avait faute. Et le français Froger qui regarde l'heure. Et malgré que Froger mène au score, mais je peux vous dire que. Il n'a pas un visage rassuré et rassurant. Tout à fait, oui, il sait que ça peut changer. Il ne faut pas qu'il se rate pour Bouhelfaya, il dégage très loin. C'est bien cette passe en retrait pour Fergas qui crochette. Il va tenter de frapper, il crochette une deuxième fois, il va tenter la frappe, elle était. Pas cadré, puissante à ras de terre, c'est bien joué. C'est bien joué, il a pris cette initiative individuelle alors qu'il avait une possibilité de jouer sur le numéro 7 de Man, sur Bougache, mais c'est comme ça, il avait pris l'information au départ. À quelques minutes de la fin de la première période, l'USMA voulait se rassurer dans ce match. Ce qu'on a vu, à part le but, c'est pas très rassurant hein, du côté. Oui, de, je dirais tout simplement qu'il y a une certaine pauvreté offensive de la part de l'animation de l'USMA. Et faute sur Mahyous qui va laisser pour Kodri alors qu'il reste allez, 1 minute 30 de jeu dans cette première mi-temps. Toujours un but à zéro, but contre son camp marqué en première période à la première minute de ce match pour l'USMA d'Alger. C'est ce que vous voyez au tableau d'affichage. Blade. Ben Shaa qui tente de se retourner et il perd ce ballon. On récupère, attention, Bougache qui va y aller tout seul. Bougache qui va contrôler, trop court. Et très bon jaillissement de Hamala parce qu'il fallait sauver les meubles. C'était le dernier rempart. Oui, et c'était bien donné de la part du numéro 24 Bourhala. C'était dans la profondeur, dans l'intervalle. Dommage que Bougache n'a pas eu cette vitesse voulue pour prendre le ballon. Chita pour Belkacemi. Il est sur tous les coups, Belkacemi. Il a faim de ballon, ce joueur, on le sent. Et lui, qui a été recruté pour apporter un plus. Jusqu'à présent, j'avais dit qu'il avait marqué qu'un seul but et donné trois passes décisives. C'est pas suffisant parce qu'il a d'énormes qualités individuelles, techniques. On va jouer une minute de plus. En première mi-temps, voilà, top. À partir de ce moment-là, il reste une minute à jouer. Mais je pense que nous avons assisté à une première période plaisante. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques, ça joue au ballon. Pas de déchets techniques, une équipe de Magala qui s'est tout de suite ressaisie. Et il y a aussi une troisième partie dans ce match. Il y a un excellent Abdou Chalef aujourd'hui. Tout à fait, oui, il faut le souligner. Avec le sourire aussi. Cette équipe de l'USMA qui sait qu'elle n'est pas encore à l'abri, pas rassurée. Oui, j'ai comme l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé quelque part. Il faut le réparer. Alors, est-ce qu'il y a les outils pour ça dans les vestiaires à la mi-temps? Attention, Egendouz qui s'en sort. C'est bien fait. Koudri intelligemment qui provoque la faute. Intelligemment, mais je peux vous dire, Riyad, que cette équipe de Magra, que je trouve une équipe très sympathique, et s'il continue à jouer de la sorte. Superbe action. C'est bien ce qu'a fait Gündüz. De deux points, il a boxé le ballon. Sur Ali Haïmoud. Tout à l'heure, il n'a pas osé la frappe, mais sur ce centre pour Bougesh, il s'est imposé devant Bougesh. Oui, lui, qui est petite de taille, il est arrivé à sauter au niveau des bras de Gündüz, c'est bien. Je disais que cette équipe de Magra, en deuxième temps, elle peut, si elle arrive à gérer mieux cette rencontre, elle peut marquer un but. Et voilà, après le dégagement, très certainement que M. Abdou Chalef va renvoyer
22 acteurs dans les vestiaires, sifflés à la bouche. Et c'est la mi-temps. Ahmed, sur ce petit 1-0, et le match n'a pas encore livré ses secrets. Tout à fait, entièrement d'accord. Voilà donc, mesdames, messieurs, restez avec nous juste après la pause, allez chercher un petit café ou un petit verre d'eau, et on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cet Usma Magala, comptant pour la 15e journée du championnat. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et oui, vous êtes sur le bon canal, Canal Algérie, vous souhaite la bienvenue et toute l'équipe de l'émission Sur Scène est ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission dédiée au théâtre, à cet art majeur, à cet art millénaire, à cet art qui donne de la conscience, un art de conscientisation. J'aime bien faire appel à cette terminologie profonde et philosophique, pourquoi pas, parce qu'on est au sein d'un grand théâtre, le TRC de Constantine. À partir de 87, c'est là que le TRC nous a proposé de venir ici, de travailler comme une troupe amateur. La sélection médicale des jeunes citoyens, née entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002. Il est porté à la connaissance des jeunes citoyens, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, qu'ils sont tenus de subir la sélection médicale, prévue par la loi 1406 du 9 août 2014 relative au service national. Les jeunes concernés, ayant reçu une convocation, doivent se présenter à la date indiquée dans la convocation, au centre ou au bureau du service national de rattachement, munis de la convocation, d'une pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un certificat de scolarité, de deux photos et, éventuellement, des pièces justifiant leur état de santé. Ceux n'ayant pas reçu de convocation doivent la retirer, soit auprès de la commune de leur lieu de naissance, soit auprès du centre ou du bureau du service national de rattachement. Les jeunes convoqués peuvent déposer, auprès du centre ou du bureau du service national, le jour de la sélection médicale, leur dossier de sursis ou de dispense pour soutien de famille. Tout citoyen qui ne répond pas à l'ordre de convocation de la sélection médicale sera déclaré apte d'office et perdre le droit à la demande de dispense et sera appelé à satisfaire à ses obligations avec le contingent de sa classe d'âge. À l'âge de 25 ans révolu, il sera considéré comme insoumis, sauf cas de force majeure. C'est El Kahwa Wilatay, votre émission qui s'intéresse à la musique populaire traditionnelle algérienne. Ya Haman, ala li wa amal, jamil fi. اكثر في الحب شواشك من عيشه يا عيشه ولا فضني نعيش ولسان ما في عظم وريقك بدم ويقطر وراك تعيا وتندم وتستهلكي يا نكار انا قلبي سما Canal Algérie vous propose ce samedi El Kahwa Wilatay avec Sid Ali Driss et ses invités.
المشوار الرياضي تاعي بدا في سنة 98 وين انا خرجت من عائلة تاع دراجين. الوالد تاعي كان هو الاول فيهم، بعد جاو عمومي وما جيت انايا. كي تما كنت صغير كيكونوا صغار كنحبوا نديروا رياضة، حاولت رياضة عدة قبل ما نلحق الدراجة، ما شفت باللي يعني وين نلقى روحي هي الدراجة، رياضة الدراجات. الحمد لله منذ ذاك الوقت وانا نمارس رياضة الدراجات، من شاركت في عدة بطولات والحمد لله كبرت فيها وقدرت يعني كما نقولوا نتابع الدراسة ودراجة في نفس الوقت. والحمد لله اللي وصلت وين راني وصلت دوكا، راني في اخر في اواخر تاع اواخر المشوار تاعي، اواخر بالك الاشهر ولا الاعوام الاخيرة تاع المشوار تاعي. الصعوبات اللي كيما كاع الدراجين كيما كاع الرياضيين جزنا على صعوبات، كاين اللي يقدروا كاين اللي تجاوزوها كاين اللي ما قدروش. الحمد لله وفقنا ربي باش تجاوزنا بزاف صعوبات وعراقيل كانت في الطريق تاعنا تمثلت وين كنا مقصيين من الفريق الوطني في سنوات في اواخر سنوات الالفينات وين تحرمت من عده بطولات ولكن الحمد لله داك كلش دوكا ولا يعني في الماضي وبعدها تفتحت الابواب الحمد لله وشاركنا في بطولات وفزنا بها وخذينا ميداليه ذهبيه عده وشرفنا الجزائر وهذا شرف لينا ثاني وان مثلنا الفريق الوطني في عده بطولات دوليه. الوالد تاعي بالنسبه لي هو اول مدرب في حياتي في مشواري الرياضي، هو اللي كان ياثرني، هو اللي كان يعطيني النصائح اللازمه ويعني نصائح كما نقولوا مخلصه، لانه هو يخمم على المستقبل تاعي في الرياضه وفي الحياه يعني في الحياه العمليه. وحتى الان مازال هو مدرب تاعي ومازال ثاني كي نروح ليه دوكا وهو ساكن في بجايه نروح ليه ويخرجني للتمارين ويعني التدريبات تاعي الواعره كامل نديرهم تما خاطر تما طرقان فارغين ما كاش يعني دونجي بزاف. ونشكره ثاني على كل ما قدم لي كاع في طيله المشوار تاعي الرياضي. يعني ما فيهاش اسرار، في السر باين هو العمل والمواظبه ولازم تكون يعني جدي في العمل تاعك ومخلص، لازم كل يوم تتمرن ويعني ما فيهاش اسرار كثيره. المهم تتمرن وتكون مواظب على العمل تاعك وتحب حاجه اللي ديرها ويكون عندك خاصه يكون عندك هدف توصل له. كي تسطر كي دير هدف تاعك وما تسطر برنامج تاعك باذن الله تلحق. أول مشاركة لي كما قلت في الألعاب الأولمبية كانت في 2012 وين عملنا بجد في 2011 باش قدرنا نجمعوا النقاط اللازمة اللي تأهلنا للألعاب الأولمبية تاع 2012.
وكانت هي أول خبرة لي في الألعاب الأولمبية الحمد لله، ولكن حتى وين ما كملناش سباق، ولكن الحمد لله كانت تجربة كبيرة بالنسبة لي. وهذه مرة ثانية كانت في 2019 وين جبت التأهل تاعي في الألعاب الإفريقية، وين تحصلت على المرتبة الثانية، وكانت بالنسبة يعني هي في القانون تأهلك مباشرة للألعاب الأولمبية، وكانت كان هذاك هو التأشيرة الأولى للرياضة الجزائرية، كنت أول رياضي تأهل للألعاب الأولمبية تاع 2020. التحضير تاعنا كنا حنواصلوه على حساب السنة تاع 2019، ولكن جات جائحة كورونا وين حبست لنا التحضيرات تاعنا، وين يعني خربت لنا كاع البرنامج، وحنا طيلة منذ شهر ننتظروا في البرنامج زعما باش نسطروا البرنامج تاعنا، وين حتى الألعاب الأولمبية أجلوهم حتى 2021، وحنا كنا ننتظروا من السلطات ويعني عطونا لوتوريزاسيون باش نبداو يعني تصريحات باش نبداو التمارين ونشوفوا يعني نسطروا برنامج اللي لازم باش نكونوا في يعني نكونوا واجدين في الموعد في موعد الألعاب الأولمبية. دوك حنا عندنا سباقات في شهر فيفري ان شاء الله في تركيا، وبطولة إفريقية كذلك في شهر مارس في مصر. حد الان هذا واش عندنا يعني في البرنامج تاعنا، ومن بعد من تماك ان شاء الله يزيدوا يبانوا سباقات اخرى، ولا قدرنا نجيبوا يعني لي انفيتاسيون باش نقدروا نجريوا في هاد السباقات، لانه الالعاب الاولمبيه ما تقدرش تروح لهم غير بالتمارين تاعك، لازم تكون عندك ريتم تاع السباق. وكما على بالكم راح نجريو مع دراجين مستوى العالي اللي احنا ماشي موالفين نجريو معاهم، هما يجريو في طوافات كبرى في طواف فرنسا، وحنا ان شاء الله نحاولوا نكونوا في المستوى، ونحاولوا كهدف اولين نكملوا السباق ونديروا احسن يعني احسن نحسنوا شويه الترتيب تاعنا بالنسبة للألعاب الماضية إن شاء الله. واش نطالبوا كان يديروا لنا فيلودروم، وين تماك تقدر دير جينيراسيون جديده تاع الدراجين، يتعلموا كثير من هذه الرياضه تاع لابيست، كذلك مسالك تاع الفي تي تي ثاني، كيعلموا ثاني الصغار الناشئين هذو اللي جايين. ومن بعد هي يعني لا ديسيبلين ران تاع رياضه الدراجات هي تاع الطريق، ولكن باش توصل للطريق لازم تجوز على عده اختصاصات اخرى، منها اللي تتعلم باش تتحكم مليح في الطريق. وهذه يعني حتى رياضة الدراجات هي فيترينا للبلد ككل، لأنه سي بروموسيون لا كولتور تاعنا ولبلادنا والتوريزم تاني في بلادنا، وإن شاء الله يعطوها القيمة تاعها لرياضة الدراجات إن شاء الله. الأهداف المسطرة دوكا احنا ما بقاليش بزاف إن شاء الله على المشوار تاعي الرياضي، على أني كبير دوكا على كل حال. الهدف الرياضي هو تشريف الرياضة الجزائرية في الألعاب الأولمبية إن شاء الله، ولما لا تحصل على لقب إفريقي قبل ما نحبس. والهدف الثاني بعد المشوار الرياضي إن شاء الله نكونوا قدوة للصغار اللي راهم طالعين، ونعلموا لهم واش تعلمنا احنا في طيلة المشوار تاعنا، وإن شاء الله نكونوا كما قلت قدوة، يتعلموا منا ونعلموهم ونحاولوا وصلوا لهم الخبرة اللي عندنا. اسماء انسي مغرا 1-0 c'était le score à la mi-temps, un score qui a changé très tôt dans cette partie dès la première minute de jeu, puisque suite à un coup franc de fouetté de Belkacemi, un défenseur
ben, a eu la malencontreuse idée de mettre ce ballon dans la cage de son gardien Bouhelfaya. Mais depuis ce but, plus rien. Et une équipe de Magra qui a fait plus que résister. Tout à l'heure, je discutais à la mi-temps avec des confrères journalistes qui ont été très séduits par... par le jeune Qureshi, ce numéro 11, très technique et également... Très technique, robuste, et puis il n'y a pas que lui, Riyad, c'est toute cette équipe que je trouve très sympathique. La TIK à froid, on l'avait dit tout à l'heure. Et puis en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui va jouer, essayer de jouer sans Fatou, parce qu'il me semble qu'elle a les potentialités, elle a les capacités pour revenir au score. Et c'est parti pour ces 45 dernières minutes de ce match. Qui verront soit l'USMA faire ce break qui va les soulager, ou alors cette équipe de Magra très séduisante tout au long de cette première période essayer de surprendre les Rouges et Noirs et revenir dans le match ici dans ce stade Omar Hamadi à Alger avec un changement, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Ahmed Lalibi. Trop d'attaquants tue peut-être l'efficacité et Benchaa est sorti. Oui, parce que Benchaa sur le plan technique individuel, il n'est pas bien loti. Par contre, Ben Hamouda qui est rentré à sa place, il a cette capacité. Attention à Bougache, il a du champ. Oh, cette petite louche pour Qureshi, levez-vous, dit Abed Sharaf. C'était une très très belle action du côté de Magra qui garde le pied sur le ballon avec toujours. Le numéro 24, Bourahla. Bourahla qui rentre dans la surface. Bourahla qui est bousculé. L'arbitre ne dit rien. Il avait trop poussé son ballon. Très bonne couverture. J'ai comme l'impression que la Trèche a donné des consignes dans ce sens. Il a secoué ses joueurs. Il les a boostés parce qu'il leur a dit simplement qu'il y a une possibilité à jouer. Il faut la jouer à fond. Et puis il avait l'impression peut-être que ses joueurs étaient un peu trop timides et qu'il y avait de la place. Tout à fait. Belaïd, un long ballon, on va chercher. Ben Hamouda, Nocif qui revient derrière, Ben Hamouda qui reste au sol. Et Abid Sharaf qui laisse l'initiative de l'avantage, c'est bien. Il laisse jouer, c'est bien, il laisse le bénéfice au jeu. Et ça donne de l'intensité aussi. Et ça ne casse pas le rythme du match. Ça, c'est un arbitre qui sent le football, c'est un très important aussi, ça fait la qualité des grands arbitres. Avec Belkacemi qui couvre son ballon, il va chercher, il va l'obtenir, la touche. Alilette, long ballon, on va chercher Merius. Merius toujours trop court dans ses placements, est-ce qu'il va passer bien défendu avec l'Aïb. Lui qui lui a un petit peu paniqué, hein. Il a tout de suite mis en touche. Oui, il n'était pas en danger. En danger, il pouvait donner le ballon au sol. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Bel extérieur du pied de Abed Sharaf pour remettre le ballon à Lilette, le joueur Usmis. La touche rapidement jouée pour Belkacemi qui contrôle. Belkacemi qui se retourne et il va obtenir le ballon. Belkacemi qui est bon dans le 1 contre 1, dans la percussion, il peut le faire. À la rémoise, Belkacemi qui centre, et il est bien contré par Bougache. Bougache qui a vraiment un cœur de lion. Et on sent cette équipe de Magala qui a beaucoup de volonté, on sent qu'elle a un coup à jouer dans ce match. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup de volonté, puis même dans le jeu, j'étais à la recherche du mot, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une équipe très séduisante aussi. Et Hamra, long ballon dégagé par la défense, récupéré par Belaïd. Belaïd pour Chita, qui va s'appuyer sur Hamra. Et on revient derrière. Belaïd pour Losif. Losif qui est bloqué par le numéro 7 de Man. Voilà, on ne peut pas jouer devant. On remet sur le gardien. Et on joue comme ça à l'aise, latéral. Le pressing est très haut du côté de Magra et tout de suite, hein, on ne dépasse pas la ligne médiane. Tout à fait, et ils ont compris, ça prouve que vous avez parlé de volonté, et à cette volonté, et à cette capacité d'aller vers l'avant et essayer d'égaliser, si vous voulez, dans les prochaines minutes. Ouais.
Attention, récupération. Le joueur de Magala. Bien joué de la part de Ben Khalifa qui décale. Oh, mais ça, c'est mal joué par contre. Dommage, mais Ben Khalifa a récupéré un ballon dans une zone de construction. Et là, il a mal fait le choix. Fergas qui revient pour Zaidi. Zaidi qui tente de dégager. Il a repris Fergas. Bien joué. Il va essayer de sortir proprement ce ballon. C'est ce qui est fait. C'est bien joué là. Tout de suite, on est dans le camp adverse et on a du champ et on peut être dangereux. Avec Bouchouareb qui décale pour Fergas. Fergas pour Bouchouareb. Là, c'est parti. Mal joué. Il n'était pas concentré. Fergas, il n'avait pas vu l'intention de passe de Fergas. Attention. Marius qui est parti. Il rentre dans la surface de réparation. Et il est projeté par l'Aïb à l'extérieur de cette surface. Il est obligé de revenir derrière. Il a été projeté, mais au départ, il a pris le dessus de par son gabarit sur l'Aïb. Avec Chita. Chita pour Belkacemi, pour Alilet qui va tenter de mettre le ballon dans le paquet. Pour personne et dégagement avec Fergas. Fergas c'est bien là-bas dans la course de Benkouider. Benkouider très bien joué dans l'espace. Très bien joué, première intention. Et il a été touché à la dernière minute ce ballon. Il était pour Bougash. Mais c'est bien ce que fait Magra parce qu'elle utilise les espaces qui sont créés. Et ça peut changer. Il faut continuer à jouer de la sorte. C'est bien pour Magra. Mais par contre, l'USMA piétine toujours, elle est victime de son animation. Elle se fait de plus en plus dangereuse, cette équipe de Magala. On parlait de Tango et de Vars, les entraîneurs. Ça va être compliqué pour Froger, même si les contrats FIFA sont très compliqués à défaire. Oui, tout à fait, bien vu, mais c'est comme ça, il faut toujours trouver des solutions. Il faut toujours rebondir. Jusqu'à présent, Riyad, l'USMA mène 1-0. Mais elle n'est pas tellement convaincante dans son jeu. Pas convaincante parce qu'elle elle n'est pas arrivée à part ce but contre son camp, elle n'est pas du tout arrivée à se rassurer et se mettre à l'abri lors de cette première période. Et ça, c'est pas parce que c'est faute d'avoir essayé, c'est qu'en face, il y a une bonne équipe aussi de Magala. Hein. Oui, qui défend bien. Bien joué, Koudri, c'est décalé pour l'Ossif, il lève la tête, il va envelopper. Mal centré, attention à la frappe de Koudri. Il était à la passe et à la réception. Mais c'est suite à ce centre de l'Ossif. C'est vrai que Koudri, il a repris le ballon dans une position d'un attaquant. Et puis il a été gêné un petit peu par le défenseur. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Ça a été parti dans le décor. Mais si c'était cadré, ça aurait pu faire mouche. Voilà, c'est le joueur qui sonne la charge hein, du côté de l'USMA. Toujours. C'est le buteur, Riyad. C'est le buteur. Il en est à 6, je crois. À 6 buts. 6 buts. Et Chita, bien crocheté. Chita, le deuxième, il n'a pas pu, mais il a été retenu par le bras. Mais c'est bien ce que fait Abid Sharif. Il laisse le jeu et juste après l'avantage, et il revient à la faute. Dès qu'il a vu le joueur perdre le bénéfice du ballon, attention, Al-Ossif qui va lever la tête, il va tenter le centre et s'appliquer. Et ballon pour, attention à cette frappe, c'est bien frappé, mais elle n'était pas cadrée, cette frappe de Belhamouda. C'est bien frappé et c'est toujours la même chose lors du tir. Hamouda a retenu son pied gauche. Et Al-Ossif, c'est la deuxième fois en moins d'une minute qu'il fait deux centres. Oui, parce que c'est son couloir. Alors qu'on ne l'a pas vu faire ça en première mi-temps. Belhamouda qui va au pressing de Bouchouareb. Bourahla. Bourahla qui donne là-bas pour Aïb. Bourahla encore une fois qui se retourne. Il va trouver Bougash. Bougash qui arrive à pas à dévier. Et Belhamouda, petit pont. Belhamouda, oh c'est bien fait. Belhamouda qui décale là-bas de l'autre côté. Bon ben, Belkacemi, attention, Belkacemi va aller en 1 contre 1. Passement de jambes, peut-être la frappe et le contre défavorable. Et il va mourir dans les pieds de Bouahalfaya. Superbe ce qu'il a fait Belhamouda. Oui, Belhamouda, c'est la différence qu'il y a entre Ben Chaha et Belhamouda. Belhamouda il est beaucoup plus technique et l'USMA a besoin de joueurs pareils. Et on l'avait dit, hein, quand on a des joueurs techniques, les choses se passent beaucoup mieux. Attention, Belkacemi qui fait l'appel de balle, il rentre dans la surface, il va te crocheter. Pourquoi il ne tente pas la frappe? Oui, mais ça se passe dans la tête, Riyad. Il avait la possibilité de tirer, même s'il aurait tiré et c'était sorti, c'était bien. Mais là, il a mal fait. C'est la mauvaise prise d'information aussi. L'appel de balle était superbe, la passe dans les pieds. Et il a essayé de crocheter au lieu de frapper en première intention. Si vous avez remarqué, Riyad, que la rentrée de Belhamouda a libéré l'Ossif aussi.
corner, un peu trop enveloppé, trop fuyant ce ballon et qui va bénéficier à Fergues qui va avoir une touche ou la sortie de voilà, Fergues qui va obtenir ce coup franc. Ou alors la touche, elle a été contrée cette balle. Et Kudry qui dirige tout le monde en tant que leader de cette équipe de l'USMA. Attention à ce ballon. J'arrive pas à me souvenir des saisons. Je suis en train de me demander si Kudry et Bouguesh n'avaient pas joué une saison ensemble au Mouloudia d'Alger. C'est possible, mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas les statistiques aussi. Ballon pour Belaïd. Ben Khalifa. Ben Khalifa qui est aussi, on ne le voit pas souvent, mais il est omniprésent. Belaïd, lui, il est transparent, mais ce n'est pas une critique. Ça prouve qu'il n'a pas fait de faute depuis le début de ce match. Attention, oui, attention à ce ballon, Lillet qui arrive à crocheter, il revient derrière pour Kudry. Il n'avait pas pu armer sa frappe comme il voulait, mais il garde le bénéfice du ballon et il va décaler pour Lossif. Lossif qui lève la tête, un centre pour personne. C'est vrai que Kudry il voulait tenter la frappe de balle, mais il était mais tout de suite, la fenêtre s'est fermée. Exactement, et puis il y a aussi ce côté droit, Lossif qui participe à chaque action offensive. Troisième centre de Lossif en quelques minutes. C'est sans jeu. Je vois d'ici l'image de Froger donner cette consigne à Lossif. Tu prends tes responsabilités sur le côté. Attention, ça passe à côté. Il se tient à la tête, Mariou, c'était bien joué. J'avais dit que Froger avait dit à Lossif de prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il l'a libéré parce qu'il est plus offensif. Et s'il continue comme ça, il peut carrément ramener. C'est limpide. Tout là. À fait, oui. On sent la consigne. Tu vas jusqu'au bout de tes actions et tu mets le ballon dans le... dans le paquet. Et joue ton jeu. Et on revient derrière. On va s'appuyer sur Guendouz tranquillement. Pour Belaïd. Lossif qui se décale pour se libérer du marquage. Oh la faute, joli pressing. Et Bouguesh qui va récupérer ce ballon. Bouguesh qui va y aller, mais il est tout seul. Il tente la frappe. Oh, c'est bien joué. Elle n'était pas cadrée, mais Guendouz n'a pas pris de risque. Oui, mais c'était parti d'une mauvaise relance de Belaïd qui a donné le ballon à Bouguesh. Il sourit, ça, c'est le buteur. C'est un renard. Regardez cette frappe juste à l'entrée de la surface. Elle n'est pas cadrée, ou peut-être poteau extérieur. Peut-être. Légèrement, oui, mais il a tenté. Il lève la tête une seconde pour armer sa frappe. Il lève la tête au moment où il allait frapper, mais au départ, il n'a pas levé la tête. Et Guendouz qui s'allonge de tout son corps pour aller chercher cette balle. Mais c'est bien qu'il n'a pas été accompagné, il était tout seul. Il n'y avait personne, mis à part Bouguesh, dans la surface de réparation. Tout le bloc équipe de Magra est resté en dehors de la surface. Avec Belaïd. Belaïd demande au joueur de se démarquer. C'est bien la tête de Mahiouz, dévié. C'est moins bien ce qu'a fait Belhamouda. Et il y a une faute sur Fergues. De Belaïd. Qui a été un petit peu perturbé par sa mauvaise relance de tout à l'heure. Voilà, il s'est appuyé sur l'épaule, il a mis le coude sur l'épaule de Fergues. C'est très clair sur cette action de notre ami Yazid Belkout. Le maestro au doigt de fée. Et toute son équipe. Bien sûr. Et ce ballon qui va sortir en touche pour l'USMA avec Hamra. Hamra pour... Chita. Et tout de suite, hein, cette équipe encore bien physiquement de Magra qui est sur le porteur du ballon. On voit que regardez l'USMA... Ahmed cette ligne des joueurs dans le camp de l'USMA qui essaye de passer dans les intervalles et on est obligé de revenir derrière. Et on va chercher très certainement. Voilà. Lossif qui part en slalom. Il a été contré, mais il y a eu un contre. Le ballon a touché Lossif. Et qui était en situation de 2 contre 1. Ça prouve qu'il est en pleine confiance. Il voulait dribbler les deux joueurs. Ouais.
Et le ballon qui va aller dans les mains de Bouguesh. Et je peux vous dire que ce Bouguesh est en train de donner du fil à retordre et à Hamra et à Blaïd parce qu'il est très mobile et il veut partir de loin. Alors, en faisant des appels de balles. Alors pour parler un peu de cette équipe de Magra, quand on voit son jeu, on peut se questionner sur son classement. 18e, seulement 2 matchs gagnés, 4 matchs nuls et ils ont perdu 7 matchs. C'est très compliqué pour une équipe de bien jouer et de perdre des matchs. Oui, mais c'est comme ça. Cette équipe avait eu beaucoup de difficultés. Attention à ce ballon de Belhamouda. Belhamouda qui rentre dans la surface de réparation. À la gauche de Yabit, Sidi Ebayous. Superbe incursion. Le coaching gagnant de Frangé. Belhamouda excellent depuis le début de cette deuxième période. Il a été décisif. Il fait l'appel à gauche. Il lève la tête. Belhamouda est seul. Un caviar pour le 2-0. L'USMA se met à l'abri. Oui, 2-0 maintenant, si vous voulez. Là, on voit qu'une belle passe de Belkacemi sur Belhamouda. Belhamouda qui remet sur Mahiouz. Et puis Mahiouz, là, avec son intérieur pied droit, il accompagne le ballon pour un deuxième but aussi important. C'est bien ce qu'a fait Belhamouda. Et puis, on avait parlé, Riyad, en premier mi-temps, que Belchaa ne peut pas, il n'est pas bon dans ce jeu-là. Belhamouda est fort dans ce jeu-là. Il est fort, regardez son toucher de balle là, en profondeur. Il lève la tête tout de suite. Il a vu Mahiouz, point de pénalty. Et il n'a qu'à ouvrir son pied. Vous avez dit qu'il a vu Mahiouz, c'est très important. Avant de lui faire la passe, il l'avait déjà repéré. Il y a la communication tout de suite. La prise d'information. Prise d'information immédiate. Et il lui a transmis ce ballon sur un plateau. Ça fait 2-0. Dur pour cette équipe de Magala qui, sur cette action de Bouguesh, aurait pu revenir dans la partie. Oui, c'est dur, mais... Le football est meilleur que n'importe quel scénario Hitchcockien, on ne peut jamais écrire un match. Absolument, on ne peut jamais dire quel est celui qui va marquer ou qui ne va pas marquer. Mais je pense que ce deuxième but marqué par Mahiouz dans un bon timing... C'était sur un ballon perdu par Magala. Hein. Tout à fait, oui, mais ça fait partie du jeu, Riyad, vous le savez très bien. Et puis là, je pense qu'avec ce deuxième but marqué par Mahiouz, cette équipe du SMA va se libérer et jouer mieux que 1-0. Frangé l'avait dit... Avant le match, c'était sur le site du club. Les joueurs doivent se donner à fond pour se rassurer et faire oublier ces 190 minutes sans but. Excusez-moi, Riyad, ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, il y a deux buts de l'USMA. L'USMA ne doit pas s'arrêter de jouer. L'USMA là doit continuer à jouer, élever le rythme, l'intensité pour marquer encore des buts. Et enfoncer le clou. Tout à fait. Ici à domicile, avec Chita pour Belhamouda qui se fait balancer par Bouchoualeb. Voilà, il se tient un petit peu le genou entre les deux numéro 26 avec Barlifa. Barlifa pour Koudri. Koudri. Chita, Belhamouda. Belhamouda est très bon techniquement, il est passé entre deux joueurs, il provoque, il a de la vitesse, il fait un appel de balle, même si Benkhalifa lui n'a pas vu. Et on revient sur Chita. Chita pour Mahiouz. Vous avez parlé tout à l'heure de la technique individuelle des joueurs. On dit dans le football, autant vous avez un bon bagage technique, autant vos capacités tactiques seront grandes aussi. Tout à fait, parce qu'on peut élaborer de meilleures stratégies de jeu, surtout en attaque, quand on a les joueurs qui ont la capacité technique d'appliquer sur le terrain. Et puis la trache, il nous a entendu, là il va opérer deux changements de suite. Il y a Benkablia et le numéro 27. Koreshi pour Bouchoualeb qui centre, les contrées corner. Il y a Bruno Benkablia. Benkablia qui est déjà passé par, je pense, la JSK. Alors, Benkablia et Belmerzouk. Belmerzouk. Bernou. C'est Bernou, pas Belmerzouk. Bernou, c'est un défenseur qui vient de la JS Saoura. Et Benkablia qui est un attaquant. À la place de qui il va rentrer? Peut-être à la place de Korishi. On va le savoir tout de suite. On va le savoir. Quand Madame Atman va lever son panneau, déjà pour Bernou. Oui, c'est le numéro 11 qui est sorti, Korishi. Korishi est sorti.
Et puis là, le numéro 27, Bernou qui est un défenseur. Il sera à la place du numéro 8, Berkwider. Berkwider qu'on n'a pas vu beaucoup. Hein. Tout à fait, oui. Et tout de suite, Bernou qui va se placer là-bas en attaque. Corner à suivre. Ça se frictionne. Calmez-vous, messieurs. Et dans cette situation, c'est une affaire d'homme à homme. Il y a un marquage individuel qui se fait. Corner, dégagement de la défense. Le ballon reste pour les bleus et blancs, puisqu'il a été touché par un défenseur usmiste. Rapidement joué. Balance là-bas devant, un peu n'importe comment. Il n'y a personne. Là, après ce deuxième but, on veut tout de suite revenir au score et on fait un peu n'importe quoi. C'est un manque de concentration. Oui, un manque de... Puis on est aussi excité. Mais c'est la loi du football, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu la frustration à l'image de ce rictus de Demmen, déçu par cette action. Il s'est énervé tout à l'heure dans la surface de réparation. Et puis j'ai comme l'impression que la sortie de Benchaha a aussi libéré Mahiouz. Attention à ce ballon de Belkablia. Lève la tête, attention à ce centre, c'était bien joué. Il a touché la semelle d'un défenseur usmiste. Le danger est encore pour Magala. Il essaye de se retourner. Ballon toujours dans les pieds d'un joueur de Magala. Est-ce que c'est sorti ? C'est sorti. Mais malgré que cette équipe de Magala ait déjà mené 2 à 0, on sent que elle essaie de bien jouer. Elle manque par moments d'efficacité offensive et beaucoup plus de réussite devant. Chose qu'on en a profité cette équipe de l'USMA après le but de Belkacemi et le but de Mahiouz. Oh, bien joué de Fedgaz qui demande l'appel en 1-2 et ça n'a pas marché. Récupération des joueurs de l'USMA, l'arbitre laisse l'avantage. Mahiouz qui le perd. Attention à Fedgaz qui prépare sa frappe, il arme. Oh, la claquette et les... Oh, superbe double claquette de Guendouz. Exceptionnel ce qui vient de se passer. Oui, il y a une situation d'hors-jeu, mais c'est bien réalisé de la part des joueurs du Magra. On va le voir. Oui, là, le gardien sort le ballon de la main gauche à deux reprises, mais il me semble qu'il y a une situation d'hors-jeu. Alors, la frappe, alors la main opposée, il met la poignée, c'est bien, mais il se relève très vite. Et là, il va fermer son angle. Superbe concentration, super frappe de Fedgaz. Frappe de balle de Fedgaz. Et là, Demmen un peu, peut-être s'est précipité pour la mettre au fond. Il la voyait déjà au fond. Et la première incorporation de Belem, le Burkinabé. Nouvelle recrue du côté de l'USMA. Qui prend la place de Belkacemi. Et tout à l'heure, je discutais avec certains dirigeants du staff. On m'a dit c'est une petite perle ce joueur. On va le voir. Il n'a joué que 30 minutes la semaine passée contre les Biskra. Maintenant, il rentre. Le score est de 2 à 0. Il peut s'exprimer. Et on revoit la superbe frappe et la superbe plaquette. Double arrêt de. Double arrêt, oui. C'est bien sûr que Fekendouz. Ça va le réconforter. Ballon récupéré par les joueurs de Magala. Un peu plus d'occasion, une deuxième mi-temps beaucoup plus plaisante que la première. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Attention à ce ballon, Mahiouz, il est hors jeu. Et maintenant que le Magra est déjà mené 2 à 0, c'est une équipe qui n'a rien, si vous voulez, à s'approcher. Elle doit se lâcher, aller vers l'avant et jouer sans bateau. Et à l'USMA de profiter des espaces qui seront créés derrière. Aïe, qui balance là-bas pour chercher la tête de Fedgaz. Alilette qui dégage. Attention à ce ratage de Zaidi. Ça bénéficie aux Usmistes avec l'appel de celui qui vient de rentrer, Belem. Qui était hors jeu. Ouais. Il ne s'est pas aperçu qu'il était hors jeu. Mais sur sa touche de balle, Riyad, on sent que techniquement il est bon. Ballon pour Magala avec Bougaj qui fait l'appel. Bougaj qui contrôle la poitrine. Bougaj qui va tenter de se retourner. Il a une petite poussette de Hamra. Il va obtenir le coup franc. Oui, mais je pense que Hamra Hanan n'a pas été intelligent dans sa propre défensive parce qu'il pouvait défendre sans faire de faute. Il a l'expérience aussi. En fait. Exactement. Oui. Il joue avec Ayoub.
Bouchouareb qui est à sa gauche. Bougage qui contrôle, il rate son contrôle. Et le ballon qui va repartir avec Belem. Belem, balle au pied, qui va y aller pour sa première occasion. Belem qui va tenter le centre. Et le... Oh, le ratage! Oh, le ratage de... C'est pas possible parce incroyable que... Incroyable ce qui s'est passé. Ouais, je peux vous dire que vous avez vu le contrôle orienté de Belem en prenant le ballon vers l'avant. Oh, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, Marius, sur cette action. Il s'est tordu la cheville. Alors on va la revoir. Voilà, il prend l'information, il lui donne un centre superbe du pied gauche. De ce centre. Et là, ça m'a, D'abord, il rate sa touche de balle. Et sur l'appui, il se fait mal. Oui, mais au moment de frapper le ballon, je ne sais pas. Je pense qu'il s'est un petit peu précipité dans sa frappe de balle. Il a osé tirer avec l'intérieur du pied. Mais dans la synchronisation, c'était pas assez. En fait, je crois qu'il voulait faire la même chose que le deuxième but, son but. C'était identique, mais là, c'était un petit peu compliqué. Et croiser son ballon. Parce que tout à l'heure, la passe était là. On sent que la passe est trop lointaine. Voilà. Le ballon a fui. Il rate son intérieur. Il s'est fait mal. Mais tout à l'heure, Riyad, la passe en retrait de Ben Hamouda était aux environs de 10-15 mètres. Là, c'était presque 25 mètres. Changement, il ne reviendra pas, Marius. On a vu le médecin qui a fait le turnover. Dommage, mais il a fait son travail, il a marqué un deuxième but. Il a marqué son but, il aurait pu marquer un doublé aujourd'hui. Il y a Boumsela qui peut prendre sa place. On va le voir tout de suite. On va voir le joueur qui va arriver. Yazid Belkout va nous montrer tout de suite qui va remplacer Lusmaït à 10 et Bougache qui rate son contrôle. Peut-être Aliane. Avec l'Ossif, long ballon pour Koudri. Zaidi qui contrôle, il va obtenir la faute, il garde le bénéfice du cuir pour Ayub. Projet debout. Numéro 14. Et c'est Aliane, vous avez raison. C'est Aliane, est-ce qu'il va occuper le poste d'avant-centre ou il va passer au milieu terrain? On va essayer de le voir tout à l'heure. Et puis, je suis séduit par le jeu de Belem, un gars qui n'a que 21 ans. Laissez-moi moi-même être séduit par le jeu de Fegas, puisqu'il fait ce qu'il veut, il vient de faire un grand pont, un extérieur du pied, il garde le bénéfice du ballon, toujours pour jouer à l'up, encore une fois, attention! Et la sortie de Guendouz, c'est une équipe vraiment qui mériterait peut-être un meilleur sort, parce que tout à l'heure, ce qu'on a vu sur ce contrôle, il est impressionnant, il a perdu le ballon, il le récupère, il fait un grand pont, et il garde encore le ballon. Tout à fait, Liad, et puis c'est vrai qu'on est un petit peu peiné pour cette équipe de Magra. Et qui jusqu'à présent, malgré qu'elle est menée 2-0, mais elle n'a pas à rougir de ces deux buts encaissés. Il faut simplement travailler et pouvoir rebondir au prochain match. Alors on demande une main de Bourakhla. Attention. Et le ballon qui sort en corner, c'était Demen. Et là, on voit nettement que le jeu de Magra a changé après avoir encaissé le deuxième but. C'est une équipe qui balance des ballons dans l'axe devant, dans les airs. Corner à suivre pour Magra, la Rémoise. Alien est rentré, le centre sorti par la défense. Attention, la frappe, elle était pas cadrée, croisée de Demen. Demen, oui, mais c'est bien ce qu'a fait Demen. Parce qu'il était en position, il était dos au but. Elle était touchée cette frappe. Elle touchée, il y a un corner, oui. Rapidement joué avec Fegas. Fegas pour celui qui vient de rentrer, Bernou. Et le ballon qui sort en sortie de but pour cette équipe de Lusma. Et là, avec la rentrée de Alien, Lusma. On va revoir cette frappe. Elle a été contrée. Elle a été contrée, oui, ça a provoqué un corner. Avec, je disais, Riyad, avec la rentrée de Alien. Projet va passer un 4-4-2, va uniquement avoir Belem et Alien devant, on va y avoir Hamouda aux côtés des 3 milieux terrain. Il va très vite ce joueur. Il est très rapide. Il est affûté et il a envie de prouver, c'est son premier match à domicile. Le Belem. Ballon, Koudri qui va essayer de défendre, c'est bien fait, récupération toujours avec Fegas. Fegas qui couvre bien son ballon, Fegas qui passe. Et il ne passera pas le deuxième rideau de Chita. Mais il va obtenir une faute. Rapidement joué. Allez,
Helmut, attention à ce ballon là-bas pour Belkablia qui revient derrière pour Fegas. Bernou. Fegas, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Ballon récupéré par les Yusmi Belhamouda qui va donner, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Belhem, il va partir tout seul. Il lève la tête, Belhem. Voilà, il la joue perso. Contrôle de l'Ozif, va la mettre au but. Oh, elle passe au-dessus. Est-ce qu'elle a été touchée par le gardien? Elle a été touchée. Corner, superbe. Mais c'est bien ce que fait ce bel homme. Il est à son troisième centre depuis qu'il est rentré. Superbe vision de jeu. Je vous avais dit qu'il est bon techniquement. Il est en train de démontrer toute sa classe à un Burkinabé qui n'a que 21 ans. Regardez, là c'est un bon contrôle de l'Ossif. Alien là, il laisse passer l'Ossif. La frappe. Oui, de la cuisse, il Bouhal Faya qui est sorti. Bouhal Faya, regardez, de la cuisse, il va la mettre au-dessus de la transversale. La manière d'un gardien de handball. À suivre la tête. Oh, le dégagement sur la ligne, danger est encore là. La frappe de la Lilette, dégagement encore une fois, c'est chaud. C'est chaud sur la cage. C'est chaud et c'est fort à l'amo. C'est fort à l'amo. Et c'est fort dangereux aussi pour cette défense. Depuis l'entrée de ce Belhem. Eh ben, La rentrée de Belhem, qui est vive, qui est rapide, et aussi le numéro 14 Eliade, qui est alien aussi. Il a une belle pointe de vitesse aussi. Et la touche pour Usma et cette équipe de Makala qui va tenter de ne pas s'effondrer dans ces dernières minutes de ce match. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Ballon pour Belhamoud, un superbe crochet. Il trouve alien, il va tenter la frappe. Il sert. Et le troisième but, vous l'avez dit, Ahmed, il a eu le temps de contrôler, d'ajuster le gardien, de la mettre côté opposé. Et ça fait 3-0, une seconde mi-temps qui est complètement différente de la première. Tout à fait, complètement différente. D'abord parce que l'Usma, j'avais dit que la sortie de Ben Chahar avait libéré Mahyous. Et puis là, on voit qu'il fait un bon contrôle dans le sens du but et il frappe à terre. Que Bouhal Faya n'a rien vu. Il n'a pas eu le temps de se mettre sur ses appuis. Il a donné deux passes décisives sur Hamouda. Regardez cette action quand il arme sa frappe. Et puis ne regarde même pas le gardien. Le gardien n'a pas eu le temps de se mettre sur ses appuis. Oui, et puis Alien, là, une passe décisive. Là, il fait un contrôle dans le sens. Il ne regarde pas le gardien. Et il arrive à frapper troisième but. Et puis la rentrée de Ben Hamouda a permis à Usma de marquer deux buts. Et Ben Hamouda a donné deux passes décisives. Une sur Mahyous et l'autre sur Alien. C'est un bon coaching. Excellent coaching de Froger. Alors on peut discuter hein, qu'il n'a pas fait la bonne compo au départ. Mais il faut aussi sentir l'adversaire aussi. On fait une composition au départ. Oui, l'entraîneur est là pour apporter des solutions, pour apporter si vous voulez un changement dans la redistribution des cartes. Je pense que en premier mi-temps, les trois attaquants qui étaient Belkacemi, Belchaha et Mahyous, là ils ne sont plus là, ils sont tous partis. Et là il y a une autre animation. Le regard impuissant, on l'a vu de l'Otrach. Le 3-0, ça devient sévère. Vous et moi, en premier mi-temps, on avait parlé que les trois attaquants ne sont pas, si vous voulez... Ils se marchaient sur les pieds. Ah, tout à fait. Maintenant, ils sont sortis. Il y a une meilleure animation. Peut-être que Froger est en train de découvrir son duo Belhem-Alien, hein, peut-être. C'est possible, mais ça va lui donner la possibilité de revoir ses cartes aussi. Avec un Belhamouda aussi dans l'animation de jeu. Oui, on connaît Belhamouda qui est très bien dans la dernière passe. Il a une bonne utilisation du ballon aussi. L'Ossif qui se trouve en position d'ailier droit. Encore un changement. Il y a le numéro 6. C'est Bougache qui sort. Oui, Bougache. Bougache qui est de Riri. Bougache qui est un petit peu aussi essoufflé. Bouchou Arab qui boitille. On sent qu'il a envie de sortir. Oui, c'est un problème d'adducteur. Le numéro 29. C'est Slimani. Et maintenant, je pense qu'après presque 78 minutes de jeu, la messe est dite pour cette équipe sympathique de Magra. Comme j'ai une petite faim, moi je vais dire les carottes sont cuites. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Avec Koudri qui n'a pas marqué aujourd'hui. Mais il a été intraitable au milieu terrain, aux côtés de Chita et de Ben Khalifa aussi. Absolument, ce milieu reste royal hein, du côté de l'Usma. Avec Alien,
Alien qui va essayer de sortir de la tenaille. Il garde le bénéfice du cuir. Il y a une faute. Oui, Ben Khalifa, plutôt M. Abi Sharef, qui a très bien suivi l'action. Il y a Koudri qui a fait une faute sur Slimani. Sur Slimani, oui. Donc c'est tout à fait logique, légitime. Et bravo pour Abi Sharef qui Il est très malin, Koudri. Il avait trompé Abid la dernière fois, souvenez-vous. Oui. Et là, le regard de Abid Sharef, c'est pas de discussion. Je pas suis de discussion, tu as fait faute. Et là, il discute avec l'entraîneur du gardien, M. Brahmou. Et voilà. Et Froger avec le sourire. Bah écoutez, ce serait quand même mal vu à 3-0 de se prendre un carton jaune sur le banc. Absolument. Attention à ce ballon, bien dégagé par la défense. Fegas. Fegas, il va essayer de passer. Fegas, un des meilleurs de Magra aujourd'hui. Fegas qui récupère, centre le ballon et le dégagement de... C'était de Hamala. Et Belhem. Belhem qui va trouver Belhamouda. Belhamouda, Belhem, bonne interception. Belhamouda qui voulait lancer... Il est bon joueur. Oui. Il est bon joueur. On voudrait bien le revoir parce qu'il a des capacités. Il va faire envie à beaucoup, beaucoup d'équipes. Ce joueur. L'important, c'est qu'il retrouve ses repères. Alors qu'on l'avait beaucoup remarqué hein, dans le chan hein, des locaux avec le Burkina. Avec Chita qui repart, il va se battre. Chita, pas de faute. Si. Alors que dit l'arbitre? Je pense que Koudri a été touché par le numéro 29 qui vient de rentrer. Par Slimani, je crois. Alors il y a faute. Et Abed Sharef qui lui dit je t'ai donné coup franc, on se calme. J'ai vu la faute. Et là j'ai bien apprécié le geste de Abed Sharef qui touche la poitrine de Koudri en lui disant qu'il faut rester calme. Vous menez 3-0. Alors on sent le visage, on voit le visage juvénile de Slimani face au vieux briscard oui, de Koudri. Et comme Abed Sharef vient prendre la défense de Slimani pour dire je vais donner faute, mais pas plus. Et ça s'arrête là. Superbe ce petit moment avec Abid Sharef. Attention à Belhem qui est parti très vite. C'était Koudri. Et ballon récupéré par Hamra. Hamra au pressing. Alilat. Hamouda. Il y a un meilleur visage de Lucien en deuxième temps. Tout à fait, ça circule bien. On sent qu'il y a eu une prise de responsabilité aussi. Chita. Et c'est Bled. Alors depuis les changements, le niveau de jeu de l'USMA s'est nettement rehaussé avec Koudri. Alors ce Slimani, il a vraiment envie d'en découdre avec Koudri. Hein. Et Koudri qui parle à la trèche entraîneur de Magra en lui disant que il faut tiens ton petit rappeler ton à l'ordre ton votre Kouna. Attention à ce ballon. Bien joué là-bas, Fegas qui contrôle la poitrine, elle n'est pas sortie. C'est sorti, dommage. Mauvais contrôle de la poitrine. Il était limite sur la ligne, et il était en pleine extension, donc il avait du mal à laisser le ballon dans l'air de jeu. Tout à fait, et puis j'ai envie de parler de la rentrée de Hamouda, plutôt Belhamouda. Elle a vraiment débloqué toute une situation, parce que et le deuxième but de Mahiouz et le troisième de Alian ont débloqué cette situation, et puis il est rentré au bon moment. Il a fait l'essentiel, c'est bien. Belhem qui est parti. Belhem encore une fois sur son couloir, il lève la tête, c'est peut-être le quatrième but. La frappe. Oh, encore une fois, on manque d'efficacité et de lucidité. Ça, c'est la qualité technique. Ahmed, je suis désolé. Oui, il a presque tout fait, Belhem. Tout à fait. C'est des choses qui se travaillent. Donc, il y a eu cette... je peux appeler ça un déficit technique. Et puis, vous avez vu la course de Belhem qui est partie comme une fusée. Une fusée, c'est son quatrième centre depuis qu'il est rentré. Belhem, il suffit tout simplement de lui donner des ballons dans l'espace et il finit l'action. Et Magra qui essaie de jouer en attaque placée, elle perd des balles. Avec Riri là-bas qui perd son ballon, récupéré par Belhaïd et Chita tranquillement qui contrôle, qui se retourne. Chita, c'est rarement, il donne une mauvaise passe. Chita, il continue comme ça, il élève son niveau de jeu.
L'USMA remonte au classement, il va se retrouver, retrouver sa place en sélection. Oui, si ce n'était pas cette blessure, il aurait pu jouer à la CAN, mais la blessure, vous le savez très bien, Liad, font partie du jeu, font partie du football. Même si le sélectionneur n'est pas là, ni Majid Bouguera. Il est là. Il avait dit, quand les matchs sont télévisés, même si je ne viens pas, je regarde tout, je ne manque rien de ce qui est important à regarder. Oui, c'est bien de suivre les joueurs. Là, il aura un répertoire élargi. Attention à ce ballon, l'extension, encore une fois Shitaki là. C'est lui l'homme de ménage dans cette équipe. Attention, Alilat, il est contre. Vous avez dit c'est l'homme de L'homme de ménage. Il fait mais je dirais que c'est le véritable taulier aussi. Il fait tout. Il reste 5 minutes à remettre dans ce match. On s'est un petit peu ennuyé en première période. Mais en deuxième temps, il y a eu du jeu, il y a eu des buts. Il y a eu des jeux, il y a eu du coaching. Ça a parlé, ça a même crié très fort dans les vestiaires, très certainement. Et puis, on ne s'est pas trompé dans notre analyse en première mi-temps en disant que les trois attaquants qui ont été incorporés n'ont pas eu cette animation. Donc, ils ne sont plus là. Et puis, il y a une autre animation. La retraite de Belham de Alien a donné beaucoup plus de percussion devant. En tout cas, il y a du talent. Il y a du talent dans cet effectif de l'USMA et puis Antal Yahia dans son recrutement d'intersaison. Ce Belém, c'est une superbe perle rare. Et il y a également le retour de l'OSIF qui, au fil des matchs, va reprendre sa confiance. Oui, ça commence à se dessiner. Attention à Belém, il est parti. Oh, voilà, passe aveugle de Belém. C'est super pour Belhamouda qui lève la tête. Il va revenir derrière. On va s'appuyer sur Chita. Tranquillement sur Koudri, on va essayer de colmater les brèches du côté de Magra. Et cette équipe de l'USMA qui va peut-être tenter d'enfoncer complètement ce clou en marquant un quatrième but. Ce serait une note, il est vrai, un petit peu trop salée pour cette équipe de Magra qui végète dans le bas du classement. Avec Chita dans le rond central pour Koudri. On trouve la balle au Sif, le voilà, contrôle de la poitrine, il va tenter de passer. Le Sif, mais l'excellent Fegas est là pour contrer en 1-2. Et pour annihiler la passe, le Sif qui bénéficie du cul, le Sif qui a lavé la tête. La louche, elle est superbe pour qui? Pour personne. Pour personne. Mais, techniquement, c'est super ce qu'il a fait. Oui, mais avant ce centre, avant cette louche, vous avez vu comment il a fait son contrôle orienté en course. Dans son action offensive, dans le sens du but, bien sûr. Ouais. Et c'est ça le joueur intelligent, le joueur de couloir. Elle a été formée dans ce sens, le Sif. Il reste 3 minutes dans ce match. L'USMA qui mène 3-0. Et l'USMA qui relève la tête après 2 défaites consécutives. Une concédée ici au stade de Omar Hammadi. Et puis il fallait une victoire convaincante. Tout à fait. Je pense que la deuxième mi-temps a été convaincante pour Froger, pour les responsables du club, pour Antal Yahia. Et coup franc pour Riri, le numéro 10. Bougash n'est plus là. Ou plutôt, avec attention, Benno revient derrière. On va s'appuyer sur Aïb. Alien qui va au pressing et ça va mourir dans les pieds du gardien. Ou Alfaya qui dégage très loin. Sans trop de conviction, avec Belém, balle au pied, il est tout de suite dangereux dès qu'il a le ballon, il commence sa course. Oui, parce qu'il a cette capacité de la percussion dans le 1 contre 1, il veut l'utiliser à 100%. Bonne couverture de balle, ballon pour Riri, ballon bien chippé par Koudri, et la faute pour Chita contre Slimani. Qui, depuis qu'il est rentré, il enchaîne les fautes. Oui, il enchaîne les fautes parce que maintenant le score est de 3-0. Cette équipe de Magra, c'est vrai qu'aujourd'hui elle a perdu, mais c'est une équipe séduisante, sympathique. Elle doit penser au prochain match qu'elle va jouer contre le Wad Tlemcen et elle a les possibilités de rebondir. Bentablia qui récupère ce ballon et va obtenir la faute et Koudri qui va prendre son carton finalement. Oui, puis à force. Abichlerf a dû se dire que maintenant... Non mais on voit, hein, il fauche son pied d'appui, regarde. Regardez, hop, il prend son pied d'appui. Ouais, ça mérite un carton, donc c'est amplement
mérité. Ça, ça fait plaisir de revoir Abitchalif à ce niveau. Oui. On a besoin aussi de, je parle au pluriel, de locomotive dans l'arbitrage pour hisser aussi le niveau. Oui, général. Bien sûr, notre arbitrage n'est pas tellement aussi mauvais qu'on le pense, mais il y a des moments où il faut dire les choses dans leur propre vérité. Aujourd'hui, Abitcharov a dirigé cette rencontre d'une main de maître aussi. J'allais dire des sifflets de maître, mais moi j'ai des tournures un petit peu bizarres, hein, je vais m'abstenir. Attention à ce ballon. Il ne faut pas qu'il se rate. Rodri qui récupère. Oh là là, la mouche. Il a bien anticipé, mais le ballon lui il échappe un petit peu dans sa course. La relance était approximative aussi du gardien de Magra. Et Slimani. Je vois que Rodri est en train de toucher le derrière de sa cuisse. Ça, c'est pas bien. Alors, il y a 3 minutes de temps additionnel. Encore 3 minutes à tenir pour Magra. Coup franc à suivre pour cette équipe. Coup franc de Fegues qui avait tout à l'heure peut-être que ce mis en évidence Guendouz avec une superbe frappe. Ouais. Fegues qui va s'y reprendre à deux fois, ballon enveloppé, point de pénalty pour personne. Et encore une fois, Guendouz sur cette tête. Oui, et puis cette frappe de balle de la tête était dirigée vers Guendouz et non pas sur les côtés. Il était un petit peu avancé, mais il a su comment prendre le ballon. Le coup franc, super bien tiré, hein, ce coup franc. Oui. Et puis la défense du Smith qui était restée trop passive sur ce centre. Et le ballon, il a été effleuré. Hein. C'était un ballon lobé. Tout à fait. Mais il était concentré. Ballon pour Lossif. Il donne la tête. Lossif encore. Il va revenir derrière pour Belrit. Pour Guendouz. Et voilà, on attend le coup de sifflet, on fait tourner, on fait courir les joueurs de Magra en gardant le bénéfice du ballon. Et en faisant cette possession, les joueurs d'USMA savent qu'à 3-0, c'est fini. Puis ils sont en train de jouer dans le temps pour essayer de bien terminer ce match. Bah, USMA qui avait tant besoin de cette victoire, elle l'a obtenue face au Magra. Ballon perdu, récupéré par Fegas, qui contrôle. Ballon perdu, il y a faute sur lui. Ce joueur, il perd rarement le ballon. Et quand il le perd, il y a faute pour lui. Vous parlez de numéro 15, Fegas, oui. Ben, c'est le meilleur élément de cette équipe Magra aujourd'hui. Tout à fait. Ballon pour, attention, Herman. Demann. Ballon qui n'est pas sorti. Magra. Et qui est-ce qui a la récupération? C'est Benham. Encore une fois, Fegas qui centre. Et le ballon qui est dévié en corner. Alors qu'il reste une poignée de secondes. Il va siffler très certainement. Voilà, il a regardé ses chronos. Abitchalif et il va siffler juste après ce coup de pied de coin de Fegas justement qui joue toutes les balles arrêtées. Fegas, un long ballon pour qui la tête de Benno. Et à chaque fois Guendouz est au bon moment, au très bon endroit. Concentré. Le temps additionnel est terminé. Alors, il va dégager très loin, il prend son temps et c'est terminé. Fin de match, 3-0. Une copie presque parfaite. Allez, parfaite, on va pas chipoter, parfaite de l'USMA aujourd'hui. Tout à fait, très belle deuxième mi-temps de l'USMA. Et puis cette équipe de Magra n'a pas à rougir parce que elle fait son apprentissage. Et puis, très belles images, hein, les joueurs qui vont enlacer la. Oui, c'est bien, c'est ça le football. C'est super image. Et puis Magra doit lutter, doit se bagarrer pour rester dans le haut niveau. Et puis, pour l'USMA, elle a fait une belle deuxième mi-temps. Voilà, mesdames, messieurs, ce 3-0, copie parfaite, copie propre pour l'USMA, qui devait se remettre dans le sens de la marche. Elle s'est remise. Comme nous avait dit Antalya tout à l'heure, quand on rentrait dans le stade, il fallait revenir dans une dynamique positive. C'est une équipe parmi les plus fortes en termes d'organisation.
les plus riches. Donc, normalement, elle joue le haut du tableau. Elle va en prendre le chemin. Merci, mesdames, messieurs. Au revoir. Au revoir.